Oh.
Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Amen. Et nous vous saluons encore cet après-midi dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous le louons pour cette occasion qu'il nous accorde. Nous le louons aussi pour les merveilleuses cantiques que nous avons écoutées. C'est vrai, à chaque fois que nous sommes réunis, l'œuvre de la rédemption est mise en valeur, afin que tous ceux qui traînent leur pas sachent qu'un est mort pour nos péchés. Cet appel d'amour continue à retentir même ce soir, que si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jadis, entrez dans sa présence, donnez la mort, mais maintenant la voile de la séparation a été brisée. Rester dehors, c'est la mort. Nous devons entrer dans sa présence. Nous devons expérimenter l'œuvre de Golgotha. Pour nous, c'est la puissance de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Comme la chorale a chanté, le Seigneur ne repousse pas celui qui vient à lui. Il a toujours ses mains ouvertes, ses mains d'amour, disant, venez à moi tel que vous êtes, que son nom soit exalté. Nous louons le Seigneur pour la présence de son serviteur, notre frère Adélard qui est au milieu de nous, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Que Dieu soit loué pour son amour rédempteur. Terminons avec amour si riche et insondable. Amour riche love et insondable. Oh,
Seigneur soit loué. Nous invitons notre bien-aimé frère Félix pour la suite du programme. Que Dieu vous bénisse. May God bless you all. Seigneur nous a fait grâce que nous soyons encore là aujourd'hui pour pouvoir recevoir la manne de sa sainte parole. To receive the manna of his only, holy word. Il nous a envoyé son serviteur qui est venu, notre frère Adelard de Paris. Adelard from Paris. Aujourd'hui et demain, le Seigneur nous parlera par lui. Today and tomorrow, c'est ainsi que nous sommes rassemblés. Maintenant, ici, nous saluons aussi tous nos bien-aimés qui sont en ligne au loin, même ceux qui sont là dans le temps un peu tardif. Mais c'est pour un but honorable, recevoir la parole du Seigneur, être en communion avec lui. Que Dieu puisse l'accorder à chacun de nous. Avant de pouvoir lire l'Écriture et prier, before we can read the scripture and pray, nous avons les salutations et les actions de grâce. And thanksgiving. D'abord, notre frère first, Obed Chiteya rend grâce, Obed Chiteya, give God rend de multiples grace, actions de grâce à God, Dieu de lui avoir accordé d'obtenir son diplôme au collège, et il exalte le Seigneur avec le psaume 29. Je vais le lire au verset 11. Merci mon frère. Psaume 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. The Lord will give strength to his people. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. His people with peace. Que son nom soit loué pour cela. May his name be praised for that. Amen. Notre frère Olivier, Atlanta, il avait donné une salutation dimanche, mais c'était sur mon téléphone qui était resté au bureau. Notre frère Mbia, notre frère Bill et notre frère Moubé à Luanda, notre sœur Pierrette à Paris, notre frère Marcelin et notre sœur Merveille à Iowa nous ont salués au nom du Seigneur. Notre sœur Célestine Ilunga à Bismarck, notre frère Tracy et notre sœur Poré à Missouri, notre frère Médard et notre sœur Fidèle à Kinshasa, notre sœur Marie Mbayabou à Texas, notre frère Simplice May à Paris, notre sœur Gisèle Chica à Iowa, notre frère Mike Malonda en Irlande, notre frère Frank Katawa à Kinshasa, notre frère Fiacre et notre sœur Esther à Houston, Texas, notre frère Jonas Bajika et notre frère Billy Chitenda, notre frère Chris Bukomono au Canada, tous nous ont salués au nom du Seigneur. Nous allons nous lever pour lire l'Écriture. We're going to stand up, please, and read the scriptures. Dans Colossiens. In Colossians. Colossiens. Colossians.
au chapitre 3, à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort. For you die, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Your life is hidden with Christ. Quand Christ, God, votre vie paraîtra, Christ, alors vous paraîtrez alive, aussi appear, avec lui dans la gloire. In the glory. Vous pouvez vous asseoir. You can be seated. C'est un passage merveilleux que nous venons de lire, that we just read, qui décrit le plan du salut de Dieu, which is showing the plan of God, mais but je voudrais m'attarder sur le verset 3. To focus on verse 3. La première chose, c'est que si cela est arrivé, que vous êtes ressuscité avec Christ, l'important, c'est le mot « si ». Il faut que ça soit, que cela soit arrivé réellement. Il faut que cela se soit accompli réellement. Si, donc, vous êtes ressuscité avec Christ, if you were risen with Christ, alors, il y a des choses qui doivent suivre. So, si cette expérience a eu lieu, alors cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Which are above, where Christ is sitting. Alors, il est dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Set your mind on et non à celles qui sont sur la terre. Not on things on earth. Attachez-vous aux choses d'en haut. Set your mind. Pourquoi? Car above. Vous êtes mort. Why? Because you die. Voilà la chose importante. On ne peut pas ressusciter sans qu'il y ait d'abord la mort. You cannot be raised without dying first. Notre marche, a walk, victorieuse, is de bonheur avec Dieu, with God, dépend de cette expérience. Depend on this experience. Si cette expérience de mort avec Christ n'a pas lieu, il y aura un conflit. Never took place, there will be a il y aura conflict. Un conflit. There will be a conflict. Il sera difficile d'écouter le Saint-Esprit. It will be difficult for difficile you to listen de se soumettre au Saint-Esprit. It will be difficult il y aura un conflit de volonté. There will be conflict un conflit de volonté. On peut même parfois prendre sa volonté pour la volonté de Dieu. There will be conflict of interest. Si on écoute ses sentiments, will, si the on will écoute of God, ses propres pensées, if you listen to your own feelings and on doubt. Remarquez que pour le verset 3, il ne nous est pas dit si vous êtes mort. Non. You can see that in verse 3, it's not dans le verset 1, il dit si donc vous êtes ressuscité. Verse 1, mais dans le verset 3, il ne nous est pas dit si vous êtes mort. Non. Verse 3, car vous êtes mort. If you die, because you die already. Car vous êtes mort. Before you die. Ça, nous ne le demandons pas à Dieu. Dieu l'a déjà fait. We did not ask that to God. God already did it. Dieu l'a déjà fait. God already did it. En Jésus Christ. In Jesus Christ. Amen. Comme l'œuvre de Golgotha a été exaltée tout à l'heure. Like the work of Golgotha was. La mort de Christ nous a apporté beaucoup de choses. La mort de Christ nous a apporté la réconciliation. La mort de Christ nous a apporté le pardon de nos péchés. Et nous a racheté de la main du Satan, la main de l'ennemi. La mort de Christ, le sang versé a produit cela. Mais une des choses pour une vie de foi victorieuse, il faut que la mort soit intervenue. The death must take place.
La mort a déjà eu lieu avec Christ. Therefore, it took place with Christ. Il faut l'accepter, car vous êtes mort. Je suis mort. Alors il faut maintenant le Saint-Esprit va vous le révéler. So therefore, the Holy Spirit will reveal that. C'est lorsque vous le croyez qu'alors cela vous sera révélé. Then, et cela maintenant sera vécu dans la vie de tous les jours. In everyday life. Nous mourons à nos propres pensées. We die with our own nous mourons à notre propre manière de voir. We die with our own. Et remarquez que attachez-vous aux choses d'en haut, non pas celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Parce que le monde a été crucifié pour nous, et nous aussi nous avons été crucifiés pour le monde. He was crucified for us, and we also crucified for the things of vous voyez des croyants. You will see believers. Ils vont à l'église, des gens qui vont à l'église, des fidèles des églises. People that go to church. Ils sont tout le temps dans les disputes. They are always in conflict. Tout le temps dans les querelles. Always in tout le temps dans les tiraillements. In bad words. C'est parce qu'ils ne sont pas morts. Fight. Because they ils veulent avoir raison. Ils veulent qu'on dise que c'est lui qui a raison. Ils veulent les appuyer. Tout ça, c'est parce que le vieil homme n'est pas mort. Cela n'a pas été expérimenté. Ça dérange la vie dans la famille. Ça dérange la vie dans la communion. Ça dérange la vie dans le couple. Parce qu'on n'a pas expérimenté la chose fondamentale de base. On va à l'église depuis des années. On continue même à y aller. Mais les expériences fondamentales du salut, on ne les a pas expérimentées. We have not experienced them yet. Verset 3, verse 3. Car vous êtes morts. Because you died. Ceci doit arriver dans notre expérience. This must take place in our life. Si ceci n'est pas arrivé, le Saint-Esprit peut vous commander de faire quelque chose, vous allez refuser. Parce que ça ne marche pas avec votre pensée. Mais si lorsque vous êtes mort, mort à votre pensée, vous vous soumettrez au Saint-Esprit. Vous vous soumettrez à la parole de Dieu. Vous allez vous soumettre à la volonté de Dieu. C'est pourquoi un chrétien n'est pas un chrétien de l'église. Un chrétien, c'est un chrétien de l'expérience qu'il a faite avec Dieu. Et c'est ce que Dieu cherche. That's what God is looking for. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. And your life is alors, verset 4, quand Christ, votre vie, when Christ, you, paraîtra, your life appears, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est ce que nous attendons. That's what we are waiting et c'est ce pourquoi nous venons. That's what we come que nous puissions être préparés, so we can be prepared, que nous puissions être à mesure d'être convaincus, so we can be at a, le croire avec conviction. To believe. Quand Christ revient, moi je m'en vais. When Christ comes back, I will be raptured. Moi je m'en vais. I will be raptured. Nous l'avons déjà dit, c'est quelque chose qui doit, ça doit être accepté avec conviction dans son cœur, parce que Élie savait qu'il allait être enlevé. Élie savait qu'il allait être enlevé. Et ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter, notre frère va avoir le temps. Vous savez combien nous apprécions le don que Dieu a donné à notre frère Adelard. Le Seigneur tient à nous parler par lui et nous voulons être attentifs, avoir le cœur, le cœur vraiment ouvert à la volonté de Dieu et que Dieu puisse s'exprimer à nos cœurs. Make it able for us. Nous allons glorifier notre Dieu. We're going to praise our God. Je cherchais le recueil n'a pas le chant en anglais ici. Moi, je voudrais qu'on chante un chant en anglais. I want to sing one song in English. Ça sera merveilleux là-bas. Comment ça se chante encore? One day beyond the food there, yes.
Wani be wonderful there. They are saying Wani be wonderful there. Nous l'avons dans, nous l'avons là-bas, dans le recueil. Très heureux d'être parmi vous. I am very happy to be among you. Et nous croyons que par sa grâce, we believe that by le Seigneur nous assistera. The Lord will help us. Et notre frère Félix a pu transmettre les salutations de bien-aimés frères et sœurs. Gave greetings coming from our brother, from our et je rajoute quelques salutations. And I will also add some greetings. Il y a le frère Danny d'Allemagne qui vous a salué dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Germany, he greeted you in the name of the Lord Jesus. Il y a le frère Nicodème de Roissy-en-Brie. La sœur Charlotte Mukandila. Sister Charlotte Mukandila. Et il y a notre frère Landou aussi qui vous a salué also our brother, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi-même aussi, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous lire ajouter un cantique.
avant que nous puissions continuer. C'est un beau cantique que j'aime beaucoup. Ami de Jésus. Ami de Jésus, oh quelle joie. Père céleste, nos cœurs sont dans la joie de savoir que nous avons un ami suprême, un ami fidèle qui ne pourra jamais nous abandonner. Seigneur, même dans la souffrance, même dans la maladie, même quand approche la mort, tu es toujours avec nous. Et Seigneur, bientôt tu reviendras nous prendre. C'est dans ce but que nous sommes là pour nous laisser préparer par le moyen de ta parole.
dispose nos cœurs et donne-nous ce qui nous est nécessaire pour que nous te soyons pleinement agréables. Bénis tout ton peuple réuni en ces lieux. Bénis tous ceux qui écoutent de loin. Que l'honneur, la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Pardon. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Et nous sommes, comme je disais, très heureux d'être and parmi vous. Saying, very happy to be Dieu a rendu possible God ma présence parmi vous. My presence among you. Et nous croyons que le Seigneur a quelque chose encore à nous communiquer. That the Lord has something nous, voulons, nous voulons nous laisser guider et conduire par le Seigneur. And we would like to be guided by the et déjà, le Seigneur a mis des Lord, belles paroles dans la bouche de son serviteur. Les Écritures que nous ont été lues sont capitales. Are important parce que nous réalisons que we just realized that une véritable vie chrétienne a true Christian life ne peut commencer que par le moyen de la nouvelle naissance. Can only start through the new comme nous birth. Savons que un homme as we know that a man, pour qu'il existe sur cette terre in order for a man to be pour born qu'il existe dans ce monde in order for him to exist il faut in this au préalable qu'il y ait une naissance. There has to be a birth. Celui qui n'est pas né dans ce monde he was not born il n'existe pas dans ce monde does not exist in this de la world. Même manière aussi in the same way, à ce qui concerne les choses spirituelles concerned celui qui n'est things, pas encore né de nouveau he was not born again, je pourrais dire il est say, inexistant dans le royaume de Dieu. He does not exist in voilà the kingdom pourquoi of God. Le Seigneur pouvait parler à Nicodème. That is why the Lord could dans say Jean to Nicodemus 3, in John chapter 3. Jean chapitre 3. John chapter 3. Nous lirons à partir du premier verset. We will read from il verse 1. Il y eut un homme d'entre les pharisiens there was a man of the Pharisees named Nicodemus, un chef de Juifs, a ruler of the Jews, qui vint lui auprès de Jésus. This man came to Jesus by night, de nuit et lui dit, by night and said to him, Rabbi, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu des dieux. We know that you are a teacher. Car personne ne peut faire ces miracles que tu for fais. No one can do these signs si that you Dieu do, n'est pas avec lui. Unless God is with him. Il y avait une grande différence entre Jésus et toutes les autres communautés. There was a great difference between Jesus entre and Jésus the rest et of the community tous les autres conducteurs all, religieux. All the other religious leaders and et teachers. Même ceux qui étaient dans les dénominations, even those who dans were les in églises the denominations, dans ces moments-là, in the church, ils pouvaient that eux-mêmes time, voir la différence. All of them could que see the en difference Jésus, Dieu s'est révélé. That in Jesus, God will pas reveal himself. Pas simplement Dieu était avec lui, and that God was with mais him, il est Dieu manifesté dans la chair. But he is God manifested in the flesh. Dire. That's what Nicodemus nous voyons la say, différence. That we parce see que the nous difference. Réalisons nous. That we que Dieu are, we est understand avec toi. That God is with you. C'est ainsi que Nicodème a eu ce courage. That's why Nicodemus malgré had this courage. Despise dans son église. Despite il pouvait quand même church, aller demander à Jésus. Des conseils, he could go to Jesus la voie and ask some advice, le the chemin way to follow, the way, par lequel il devait réellement rencontrer Dieu. The way he had to et au verset 3, Jésus God. Lui répondit, and Jesus answered en vérité, him, en vérité, je te le dis, truly si I say to you, most surely de I say to you, unless one is born again, le royaume de Dieu. You cannot see the kingdom of God. Ça veut dire comprendre. To see si quelqu'un n'est pas né de nouveau, if someone is il not ne born peut again, pas comprendre le cannot royaume de understand Dieu. The kingdom of de la God. Même manière, un homme qui n'est in pas né dans way, ce monde, il ne peut pas comprendre ce qui se passe dans ce monde. Born in this world, he cannot understand mais il faut naître d'abord you have pour to que tu puisses comprendre les choses qui se passent dans ce monde. In order for you to de la même manière, dans le royaume de Dieu, il faut naître d'abord de cieux pour comprendre le choix du royaume. Comme Nicodème, il n'était pas encore né de nouveau. Nicodème ne connaissait pas cette vérité. Il bien qu'il était un truth, grand conducteur, if he thought he was un a ruler, chef a great parmi ruler, les autres, a great leader among mais others, la réponse de Jésus-Christ l'a dépassé the totalement. Answer of Jesus was au verset 4, behind, il went far Nicodème behind, lui could dit, not understand it. Comment verse 4, un homme peut-il Nicodème naître say, quand il est vieux? Said to him, how can peut-il a man be born when he's old? Dans le sein de sa mère can et naître? A second time into his nous mother's comprenons womb bien, mes frères, déjà par la question de Nicodème, que le sens spirituel
spiritual ne things peuvent pas être comprises avec l'intelligence de l'homme. With il human était un understanding. Homme intelligent. He was a man who had human nous understanding. Nous savons pas s'il possédait beaucoup de diplômes. Mais certainement, il était diplomas, un homme intelligent. He, mais Jésus-Christ lui parlait de choses du royaume. Cet homme intelligent, il ne pouvait rien comprendre. This man who was et smart, sa question could not était, comment moi je suis vieux, so devais-tu renaître encore? Dois-je encore revenir dans le ventre de ma mère back into et naître? Alors Jésus lui répondit au verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom donc, of God. Dans le royaume, so to enter the kingdom, la nouvelle naissance. We need a new ici, birth. Ce n'est pas la naissance birth. Naturelle, here it's not about mais the, new, c'est la the natural birth, but it's la naissance the new qui birth, vient the birth that mais comes from above. And this is comme only le Seigneur possible, dit, as the Lord said, you have to be born of the water and spirit. The water is the word, and the Spirit of God has to come. Nous recevons la parole de Dieu comme une semence. We receive the word of God as a seed. Comme une semence. As a seed. Par le moyen de laquelle. Through which. Nous naissons de nouveau. We are born again. Voilà pourquoi dans 1 Pierre chapitre 1. That is why in 1 Peter chapter 1 verse 1. Pardon, 1 Pierre chapitre 1. First nous Peter le chapter 22 1. Plutôt. We take verse 2, verse 22. Le verset 22. We take verse 22. Ayant purifié vos âmes. En obéissant à la vérité, in obeying pour the truth, avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres love de tout votre cœur. Amen. Another, further, mes frères et sœurs, il est impossible amen à un homme d'aimer sincèrement. Sister, it is impossible for a man to be écoutez bien, born si cet homme-là n'est pas né de nouveau, ce n'est que again par le moyen de la nouvelle naissance que l'homme reçoit la nature divine. Dieu est amour. God pour is love. Aimer, il faut la nouvelle in order for you to love, et you si have to be born again. So we continue on verse 23. Vous avez été régénéré. Having been born again, ah, je pense que vous avez, nous avons bien compris. I believe le verset 23 explique correctly le verset 22. Verse 23 hein? Explains puisque verse 22. Puisque vous avez été régénéré par une semence incorruptible, not of corruptible seed, aimez-vous les uns les autres. But of of incorruptible through the word of God, so love pour one another. Qui est né de nouveau, so it is possible for someone who's born again to love frère, his brother, not only love his brother, but to love even c'est his ça, enemy. La this is the new birth. Selon la nature de l'homme, according to l'homme the human nature, aimera que celui qu'il aime. Man will only love et the one who loves him. Celui qui and le will hate the mais one who l'homme qui est né de nouveau, but a man who is born again, une capacité receive a certain ability naturel that a natural man do not have, does not have. D'aimer son ennemi, to even love de prier his enemy, pour celui qui le persécute, to pray for the one who ça persecute him. This is être true. Capable de faire du bien à tout le monde. To be able to do good things to everyone. Sans la nouvelle naissance, cela n'est pas without possible. A new birth, this et nous is continuons. Impossible. Et so nous sommes régénérés. Nous sommes changés. Par une semence. We have changed through having been born again. Cette incorruptible par la parole vivante an incorruptible et one permanente the de word Dieu of God which lives and abides forever. Un homme reçoit la parole de Dieu when a man receives the word of God as an incorruptible seed, il expérimente la nouvelle naissance. Experience the sans new birth. La parole, y a pas without la the word, there is no sans la birth. Y a without pas the la seed, naissance. There is no new birth. My beloved brothers mais and sisters, notice what the Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Et nous lirons le verset 36. And we will read verse 36. Let's start from verse 35 first. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Someone will say, how are the dead raised up? And with what body do they come? Il s'agit de mourir et de renaître. It's about being, ils étaient achoppés par la résurrection. Mais l'apôtre continue verse 36. Il dit, mais insensé. The apostle continue on verse 36. He said, foolish ce one, que tu sèmes what you saw, ne reprend point vie.
is not s'il meurt. What you saw donc is not meant to laugh unless vie alive unless it dies. So in order for you life to manifest itself, the old life has to die first. Without la nouvelle death, vie ne peut pas prendre place. Life cannot take place. Voilà pourquoi that is why nous devons mourir à notre vieille nature. To die to our old nature. Doit totalement disparaître. The old nature has to disappear. Not only die, mais mourir et pourrir, but die disparaître and disappear. Afin que la nouvelle vie so en Jésus-Christ puisse prendre place. Can take place. Et nous constatons que la vie nouvelle que nous recevons life, par la nouvelle naissance, new mais c'est une vie meilleure. Is a perfect c'est ainsi life. Que nous le lisons au verset 43. That's what we read j'ai sauté le verset. Alors, verse 40. Verset 43. Well, let's go to verse 40. Remarquez que ce corps qui est semé comme mort, notice that body il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, and will resurrect glorious. Que nous recevons par la résurrection, so the par la nouvelle naissance, mais c'est une vie meilleure. It's a perfect life. Écoutez encore. Listen. Mais que tu nous dis, il est semé infirme, mais il ressuscite plein de force. Il est semé naturel. Il ressuscite corps spirituel. C'est ainsi que mes frères et il nous faut passer par l'expérience de la mort so, beloved brothers, pour que la nouvelle vie puisse prendre place. So that si notre ancienne vie n'est pas morte, la vie nouvelle dead, ne peut pas prendre place. Take place. Par la grâce de Dieu, comme notre God, frère a été conduit au salut, brother was led to read, l'apôtre Paul parle the Paul aux élus, parce que les épîtres sont écrits aux élus, et ils confirment que tous les élus, Dieu les a rendus possibles. God made Dieu it possible. Leur a donné cette possibilité God d'expérimenter la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous est donnée par le moyen de la mort de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'était pas mort, if Jesus nous serons Christ tous errants. Die, si Jésus-Christ n'était pas mort, nous n'aurons pas reçu la nouvelle vie. We would not have received a new life. La vie why? De Dieu because the ne life of God was only in Jesus Christ. La seule semence de he Dieu, is the only la seule seed, semence engendrée the only seed that dans was laquelle la vie véritable de Dieu s'est trouvée. In which the or, life of God was in. Selon le plan de Dieu, but selon le dessein de God, Dieu, according to the purpose of God, chapitre Hebrews chapter 2, j'entre petit à petit dans ce que nous allons voir par la grâce de Dieu. Mais alors, slowly Hébreux chapitre 2, let's go to Hebrews chapter 2. Nous voyons ici le dessein de Dieu. Here we see the plan of God. De Dieu? What was the plan of God? Pardon, Hébreux chapitre 2. Hebrews chapter 2, verset 10. Verse 10. Il convenait. It was fitting. En effet, for him. Que c'est lui pour qui? For et whom, par qui sont whom toutes all choses things, and by et whom qui all voulait things, conduire à la gloire bringing many souls de to glory et élevé à la perfection to make the captains of their salvation le perfect de leur suffering. Dieu voulait conduire beaucoup God de fils à la gloire to lead many mais pour to cela glory. Il fallait in que son happen, premier fils his firstborn, le seul engendré puisse passer premièrement par les souffrances to go mais pas seulement par les souffrances mais qu'il puisse passer aussi par la mort afin que la vie qui était en lui so soit maintenant donnée à d'autres fils can be given voilà to the pourquoi other sons. That is lorsque why, les mecs sont venus vers Jésus, when they came to dans Jesus, Jean chapitre 12, in John chapter 12, ils sont venus vers Jésus, they came to Jesus, vers l'homme en qui la vie de Dieu s'est trouvée. A man who the life of God was in. Dieu même sur cette a man who represent God himself on the earth. Verset 20, the Greek came in. Jean 12 verset 20. John chapter 12 verse 1. Ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. John chapter 12 verse 1. S'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dit avec instance John chapter 12 verse 20 Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Now there were certain nous voudrions Greeks voir Jésus. Among those who came Philippe to alla dire feast, à André then they came to Philip, oui André the, et Philippe le dit à Galilée, Jésus and asked him, saying, regardez que leur désir était de voir Jésus.
Notice that their desire was to see Jesus. Because they heard about Jesus. Remember what we just read. Even Nicodemus could say to Jesus, you know, as the Pharisees, we know that you are a teacher coming from God, because the things, the signs that you are doing, no one can do it unless God is with him. And the fame of Jesus was all around, all the way to the Greek. Ils ont fait tout un voyage. And they traveled. Leur désir, c'était de voir Jésus. Their desire was to see Jesus, this man, whose fame was spread all around. When they came before Jesus, verse 23, Jésus leur répondit. John chapter 12, verse 23, Jesus answered to them, saying, the hour has come that the Son of Man was glorified. Notice that their desire was to see Jesus, and they were standing before the man Jesus, the one they wanted to see. But Jesus answered them saying, the hour has come. The hour has come that the Son of Man must be glorified. In other words, the moment has come that the Son of Man has to be crucified and die. And he didn't stop there. Verse 23, verse 24, he said, more surely I say to you, unless a grain of wheat falls, nous venons de lire dans 1 Corinthiens 15 que une semence avant de se reproduire, in order for a seed to reproduce, that seed has to die first. And here Jesus, verse 24, he identifies himself as the seed of God, not just any other seed, but a wheat, a seed of wheat. There is the et vous le savez, germs of si vous prenez the life, une semence and you know dans lequel il n'y a pas le germe de vie, in which there is no vous la life, semez, and you saw semence that seed, ne se reproduira that pas. Seed will not grow mais pour qu'il y ait une itself. Reproduction, il in order for le premier a grain grain to reproduce, avoir that grain has to have le germe the de life vie. In it. Si y a le germe de if vie, there is life in tranquille. It, be quiet, vous pouvez stay le calm. Semer, you can sow it dormir. And go to sleep. Vous êtes avec moi? Are you with me? Vous pouvez le semer et aller dormir. You can sow that seed and parce go to sleep. Le, why? La vie qui est because dans le the life de that is into that wheat, that seed of wheat, will it reproduce itself automatically? Ici, Jésus est en train de parler à ces here Jesus is speaking to the Greek. To the Greek. He's saying, de Dieu I am the only seed of God in which there is life. Notice, le fils notice de that Dieu Adam pas création. Was the son of God through creation. Adam, il est face à la mort, il est mort. Facing death, il est resté, he died. Il est resté sous la terre. He's the evil man. He died and was buried. Abraham let's take Abraham, Dieu, for example. Mais devant la mort, was, a été vaincu. He was a man. He was a friend prenons of God. Moïse, but before death, he died. Moses was a man mort, of God. But before death, tous he died. Qui ont existé sur all terre, men bien, that existed on this world. Femme, born of a ils woman, this is carefully born of a woman, they were c'est overcome ainsi, by death. That's why mais they were buried. Seul, but there was only one se Grecs, who could stand before the Greek, Jésus, Greek people and say, I am the seed of wheat, meaning ah, in me there is life. This life that's in me cannot just remain in me, but the goal of God was to reproduce that life, to multiply that life in other seeds. In order for that to take place, first, le grain de blé that seed of wheat has to be sown and die. Et après and sa mort, then, after il faut the death, une after its death, there has to be a resurrection. Et après la resurrection, and after that la resurrection, vie qui était en lui, the life that was in him would be spread into all the, voilà the other seeds. Dieu n'a pas créé that deux is why God did not create two seeds of avocados. Ça, 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 this il is the wisdom of God. He never created two seeds of avocados. He never created two seeds of orange. God in il the first creation, he created semence. One seed one mais time. Dans sa sagesse, but in his wisdom, loi, he established a law, la loi the de law la that's called the law of reproduction. Si semence, if you take a certain seed, est, ou plutôt, elle est seule, and alone, vous la mettez en terre, and you sow
that lors de la récolte, during the time vous of harvest, ne récolterez pas une you seule, will not just harvest mais vous récolterez plusieurs. But you will harvest mais many miracle. Seeds. But le listen to the miracle. Là, that many, toutes ces semences, all those seeds, ces fruits, all of those, all of those fruits, they will have the same life la première that semence. Was the first fruit. Voilà le mystère de la this nouvelle is the naissance. Mystery of the, bien, of the new birth. Beloved, first, that is the green, the oui, seed, he mort. Had to die. And since he died and he resurrected, so la possibilité est the possibility is given to men to experience the new voilà life. Pourquoi nous pouvons bien comprendre that is why we can understand Jésus Christ, that avant sa mort before, et sa Jesus, before, his, before the death of Jesus, no man Moïse was born again. Moses David was not born again. David non, was not born non, non, again. Non. Mais bien no. Frère, but beloved in the law, the new life nous est donné par is Jésus given Christ. To us through Jesus Christ. Notice that David in the Old Testament, a man according to God's heart. Listen how we pray. Let's go to Psalm 51. Let's go to Psalm 51. David, l'homme selon le cœur de Dieu, David, il a péché, according il est tombé God's, dans la chute. To God's heart, but mais he fell. He sinned. He prayed, saying, Psalm 51, verse 3. Oh Dieu, aie pitié de he moi. Prayed, saying, dans ta bonté, oh God, have mercy on me. According to your loving kindness, lave-moi according to the multitude of your tender mercy, blow out my transgression, purify my sins. Amen. Mais vous savez que sans effusion du sang, il n'y a point de pardon du péché. David ici, blood, il s'est dans l'Ancien Testament, il avait la révélation in the de l'homme de la rédemption. He had the il pensait of the work croyait of the déjà à la venue du Messie. Alors il prie en disant, Seigneur, lave-moi complètement wash de mon iniquité. Purifie-moi de mes péchés, me from my car sin. Je reconnais mes transgressions for I acknowledge my transgression et mon péché and my sin devant is moi. Always before je me. Je péché contre toi, I sin against je you, fais ce qui est you mal only have à tes yeux and have done this evil in your sight. Tu seras juste dans ta sentence, that you may be found sans just when you speak jugement. And blameless écoutez when you judge. Now listen voici, to what he says. Je suis né verse dans l'iniquité. Behold, ma I was born m'a conçu dans le péché. In sin, mais ma toi, mother Seigneur, tu veux que la vérité behold, soit au fond de mon cœur. In the inward part. Alors, amen. Moi, je suis né dans le péché. So I am born cela n'est pas sin. Possible par moi-même. This is not possible alors, ça by myself. So fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Écoutez le verset 9. Listen to verse 9. Purifie-moi avec l'hysope. Purify me. Et qu'est-ce que je serai? Je serai pur. Be, I will be pure. Bien aimé frère et soeur, il n'y a que le sang de Jésus only the blood qui peut nous purifier de toutes nos iniquités. Of all our il iniquities. Dit, lave-moi et je serai plus blanc que la and neige. I will amen. Be il n'y a que le sang snow. De Jésus qui peut le faire. Only the blood of alors Jesus il dit maintenant verset 10, so il dit, annonce-moi l'allégresse. Et la joie, annonce-moi en quelque sorte la bonne nouvelle. Say, restore mais to me the joy of your salvation. Il y en a and un qui est mort pour vous. But what il y en a is un good, qui a porté vos péchés. Sur le bois du calvaire, il a payé le prix de votre rançon. At the cross of Calvary, he gave his blood. Merci. Non, il y en a un qui a payé there le prix. One who paid the price. Alors, David déjà en so son David, temps, in his time, il disait Seigneur, mais annonce-moi l'allégresse et la joie. Alors le sang que tu as brisé, so c'est réjoui en gloire au Seigneur. Alors il dit, Seigneur, verset 11, détourne ton regard de verse mes 11, péchés, cast, efface toutes mes iniquités, gloire au Seigneur. Bien-aimé, il y a que le sang de Jésus beloved, only qui peut the blood of Jesus nos péchés. Can cleanse alors, nous us from disons, our sin. So dans we tell le moyen you, du sang versé à Golgotha, vos péchés the blood sont effacés. Golgotha, your sins are forgiven. Le verset 12, il dit, verse 12, regardez verse 12, ce qu'il va dire. Oh Dieu, oh God, règle en moi un cœur pur, gloire
create in me a clean heart. Un cœur nouveau. He wanted a new heart. Mais le cœur nouveau n'était promis pour la nouvelle alliance. Was only promised for the new covenant. Only the new covenant. Pouvait maintenant avoir la possibilité d'avoir un cœur pur. A new heart. Have the possibility to have a new heart. Et il dit, renouvelle à moi. Restore. Un esprit bien disposé. Oh là là. Allons dans Ézéchiel chapitre 36. Let's go to Ezekiel chapter 36. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Ézéchiel chapitre 36? Regardez Ézéchiel chapitre 36. L'Ancien Testament n'est que l'ombre de choses à venir. The New Testament is only a shadow of things to come. Mais la réalité de toutes ces choses, c'est en Christ Jésus. The reality n'est pas réel dans l'Ancien Testament. So a new, a clean heart. Un esprit bien disposé n'était pas réel dans l'Ancien Testament. C'était que Mais la réalité est en Christ Jésus. It was only possible. Ézéchiel 36. Ezekiel chapter 36. Ce qui est dit. Listen to what is Je what vous is donnerai. I will give verset 36. You, hein? Ezekiel chapter 36, verse 26. Ézéchiel 36, verset 26. Ezekiel chapter 36, dit, verse 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. I will give you a new heart. C'est ce que David désirait. This is what Seigneur, David desired. Un cœur pur, gloire au Seigneur. A clean heart. Mais cela est possible heart. Dans la nouvelle alliance. It's only possible dit, in the new covenant. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Say, I will et qu'est-ce que je ferai? New spirit. J'enterrai de votre and corps what will I do? I will le cœur de pierre the heart of stone et je vous out of donnerai your flesh un cœur and give de chair. Gloire au heart Seigneur. Of flesh. Amen. Le Seigneur continue en disant, the Lord je continue mettrai verse 27, mon esprit en vous. I will put my spirit within you. Je mettrai mon esprit en vous. I will put my spirit David within Seigneur, you. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Et lui, le Seigneur dit, je mettrai, him, the Lord says, je mettrai mon says, esprit I will en vous. Put my spirit within maintenant, you. Écoutez bien. And je listen. Ferai en sorte and que you vous suiviez mes ordonnances statues, et que vous observiez et pratiquiez my judgments mes lois. And do them. Nous vous disons par la grâce de Dieu. We are telling you by the grace of God, this is possible today. Golgotha a déjà eu lieu. Golgotha has already taken place. At the cross of Golgotha, Jesus Christ paid the price. Il est died. He was resurrected. Le troisième jour, the third day, il a parlé à ses disciples. He appeared to his disciples and he said, "Moi, je vis. Because I live, vous aussi, you, vous vivrez. We also live." Que Dieu accorde la grâce. May God grant the grace in this room. À tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté la nouvelle naissance, de l'expérimenter véritablement. Parce que la nouvelle naissance est pour toi. La nouvelle naissance est pour moi. La nouvelle naissance doit être une réalité. It has to be a reality. Vous savez, quand un homme est né de nouveau, you know that a man was born again. C'est pas le frère Félix. They cannot tell you que tu es né de nouveau. The Felix would not tell you that you are born again. Mais un homme qui est né de nouveau, il sait que je suis né de nouveau. He knows that he is born again. Pourquoi? 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. Il dit ceci. He says this. Verset 14. Verse 14. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que for nous estimons the love of, the love of Christ si compels us mort, because we judge dust if one died for si all, all died. This is what we say. He died for all. Et verset 15 vous dit. And verse 15 says, pour tous, he died for afin and he died for all that ceux qui vivent those who ne live vivent plus pour eux-mêmes, should live no longer for themselves, but for him who eux. Died. And for them, it was again. So we understand, beloved brothers and sisters, those who experience the new birth, as my brother was led to read, their own will, their own personal will disappeared. They don't belong to themselves, but they belong to the Lord. So he says, therefore, from now on, verse 16, selon la chair. We regard no one according to the flesh. All those who are born again, we no longer regard them as according to the flesh. We have known Christ according to the flesh. Now we no longer know him that way. Si quelqu'un est en Christ,
If someone is in Christ, une nouvelle création. He is a new creation. Les choses anciennes, the former things, tout ce qui appartient à l'ancienne nature, all those things that belong to the former nature, all those things that belong to the old man, the apostle says, voici former things are past, all those things are past, sont devenues nouvelles. Behold, et behold, all things have become pas. New. Non. And new things, you cannot make them. Comme nous avons lu, listen, nous avons as un we just read, we nous have a new heart, nouveau, we have a new spirit, and God by his grace, son esprit, pour en us his spirit, so everything nouvelles. In us has become new. Nous avons de nouveaux sentiments. So we have new nous feelings. Avons des nouvelles pensées. We have new nous thoughts. Avons, écoutez bien, listen, même nos objectifs ont changé. Our même objectives, nos affections ont even changé. Our way of, tout ce qui est en nous our a desire totalement changé. Everything in et us changed. Qui l'a expérimenté cette so nouvelle you, naissance, you have birth, un témoin. You have to be a witness. Réaliser you have to be able to realize that what je I was, I am no longer what je I was. Que I understand. Là I know j'ai menté, je ne mens plus. Where I used là to lie, I no longer plus. Lie. Where et I used to insult, I am no longer insulting. And moi. That a new life mais is really tout got tout in ce me. Qui se révèle maintenant and à everything moi, in me, ce n'est pas le produit des efforts d'un homme. It's not my mais own effort or effort of a man, but it's the result of a life that's got in me. In place. Man, when nous, a life takes place, soeurs, we can see it hein, with our naturelle. Sister, even quand with natural life. When a semence, woman receives a seed, man, a seed. As I was saying to my sister, même l'habillement de la sister, femme even the way she dresses changes. It changes. La démarche change. The way she walks changes. Change. The things that she likes to eat changes. Why? Everything is commanded by the seed that she just received. Aussi, it's in the same croyant, way. Quand us, nous as believers, when vie we receive nous, the word of life in us, vie so our earthly life maintenant is commanded la parole que through nous avons the word that we just vous received. Mon, you will mon notice, frère, ma soeur, my brother, my sister, the one who really received the seed of God in him, ses pensées changent. His thought changes. Ses désirs changent. His desire ses changes. Ambitions changent. His ambition changes. Ah, ça c'est vrai. This tout is true. A changé, everything et nous changes. Dire, and tout we can tell you that everything is new. Croyant. And in the life of that Christian, que Dieu fasse grâce à chacun may de God nous. Grant grace bien to each one of us, my beloved brothers and sisters. J'avais quelque chose que je voulais bien partager avec vous. I had something c'est to share with you. Nous it's regard to nous the time we are living spécial. In. We are living in a special time. Où Dieu where God est en train d'amener son plan is du salut à l'achèvement. Nous sommes end. Au temps de l'achèvement. L'église de Jésus n'est plus au commencement. Church of non, God, mais of l'église Jesus de Jésus no est arrivée at the beginning, à la fin the du temps of Jesus de la grâce. Has et ici, end, à la fin du temps de la grâce, in the Dieu time veut of grace, accomplir God wants to une accomplish œuvre glorieuse a glorious pas work, avec tout le monde, with everyone, but he wants to accomplish a glorious work with you and me, us, the true believers. So the Apostle Paul said, he talked about us in 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10. We can read it. I will jump from verses. Après, je vais arriver au verset 11. And I will get to verse il dit, 11. Frère, he says, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères verse 1, 1 Corinthians, Corinthians chapter 10, verse 1. Moreover, brother, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud. They were all baptized with Moses in the cloud and to the sea. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. They all ate the spiritual food. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. All drank the same spiritual drink. Ils buvaient à un rocher spirituel. For they drank of that spiritual rock that followed them. And that rock was Christ. Verse 5 says, but d'entre eux with most of them, God was not pleased with them. Why? Because their body was scattered in the wilderness. Beloved brothers and sisters, the time of Moses was a glorious time. I can say that the time of Moses
was also quoi? The end time. Mais c'était la fin du règne de Pharaon. It? It was the time il of fallait que Dieu délivre the time son of Pharaoh. God et has to set his people free. Devait se faire but the deliverance of his people had to be done through a message and bring his people déjà to the land that he promised to Abraham. Moi, it's the same way you and I. Le nous a the Lord pays. Promised us a il land. Est allé nous he place. Went to prepare a place et for us. Dit, and the Bible says he's coming back to take us so that he can bring us into that land. But notice that ce qui est arrivé du temps de Moïse, what happened in the time of Moses d'avance. Was already announced beforehand. God proclaimed mais it to Abraham. Que le temps soit là, but the time has to come so that what God announced can found its accomplishment. Accompli, so when the time was accomplished, God brought forth, when the time came, God brought forth a man. And he sent that man with a message. De la sortie de it was a message un to come out of Egypt. It was a message to bring his people out. Effectivement, comme nous aussi, un just as us, a sortie. Message to bring et to come out. So we notice that the people of God that were in Egypt, ils ont prêté l'oreille they à paid message. Attention to that message. Et tous ceux qui ont obéi à ce and message, all those who obeyed ils that message, expérimenté l'exode. They experienced what is known today as the Exodus. They experience what is known today as the Exodus. We believe that, beloved brothers and sisters, in every age, in all time, all those who believe envoyé, the message that God sent, they will experience message. The result mais of that message. Notice here, ils ont fait des expériences merveilleuses. They experienced wonderful experiences. Hébreux, chapitre 11, let's go to Hebrews chapter 11. Mais comment ils sont sortis? But how did they come out? Hébreux chapitre 11. Hebrews chapter 11. Nous prenons le verset. Voilà. Verset 27. Verse 27. Non, non, prenons le verset 28. Verset no, 28. Let's take verse 28 instead. Il dit c'est par la foi. By c'est faith, par la foi. By faith, ce n'est pas par autre chose. It's not through any other thing. Par la foi it's only through faith. Ils immola la Pâque. They kept the Passover. L'aspersion du sang. And the sprinkling of blood. L'exterminateur ne bless touche you pas who destroyed the firstborn des should touch them. Regardez que le jugement était visé sur le premier né. Was mais upon pour the protéger new, le premier né, Dieu a the first, donné une the solution born, par le moyen d'un the message. Born. God gave et a solution to the message, à ce message and that they believed that message. Le signe and they applied the sign, which was the blood et on the doorpost. Né, and we know this that the firstborn, there was prayer. Now verse 21 says, verse 29 says, by faith they passed through the Red Sea as by dry land. Que les Égyptiens qui tentaient de passer whereas en the Egyptians attempting foi to do so were drowned. La mer notice that faith allowed them to pass through the Red Sea. Ils not only did they pass the Red Sea, but they got into the desert. We will return to 1 Corinthians chapter 10. Nous dit, verse 2 tells ils us ont tous été baptisés en Moïse, they were all baptized dans la nuit et dans la mer. We ils ont tous mangé le même aliment spirituel, c'est-à-dire la manne. Hein? Ils ont mangé la nourriture des anges qui descendait they chaque jour. The angels le verset 4 nous the dit, ils ont tous down bu le même breuvage spirituel. Et on s'est frappé et l'eau a jailli. Le peuple a bu. The rock was struck bien, and the water came out. Ce and people drank. Beloved brothers and sisters, these are wonders. These are wonderful experiences that these people experienced. Mais regardez la conclusion. But notice the conclusion. Verse 5. This is what la interests dit, us. Verse 5. But la plupart d'entre eux but ne furent point agréables God was not well pleased puisqu'ils périrent
dans le désert. For their bodies were scattered in the wilderness. In other words, they did not reach the objective of God during that time. Qu'est-ce que Dieu poursuivait? What was God following? To take them out. Le faire entrer dans le pays de la promesse. And to bring them into the promised land. Not to just come out and eat the manna. It's okay to eat the manna. It's okay to drink the water that was coming out of the rock. It's okay to be healed from the disease. L'objectif de Dieu, c'était pas le désert. L'objectif de Dieu, c'était pas la manne. L'objectif de Dieu, c'était pas l'eau qui jaillissait. L'objectif de Dieu, was not the water that comes out of the rock. The objective of God was to bring them into the promised land. Amen. So we notice that they experience the exit, the coming out. Many of them, among that generation, about 2 million that came out of Egypt, only 2 that came that got into the promised land. Listen to what Jude tells us. Let's go to Jude. Qu'est-ce que Jude nous dit? What does Jude tell us? Jude nous en parle encore de l'exode des enfants d'Israël. Jude speak to us about the exit of the children of Israel. Il dit au verset 5, il dit, says in verse 5, je veux vous rappeler à vous qui savez but I want to remind you toutes ces choses. Through you once knew this. This for us, it's a reminder too. The Holy Spirit did not allow this thing to be written only for them. But I believe that through the grace of God, these warnings are for you and not me. Because it's for us that we reach the end of the age. I want to remind you, qui savait fort bien toutes though ces choses. You once knew this. Si je pose la question à la salle, mais if I ask the question in the room, in this room, who doesn't know this thing? Who doesn't know the story of the children of Israel? We all know the children of the story of the children of Israel. Then be careful. Pay attention. What does the Bible say? That the Lord, après avoir sauvé le peuple, having saved the people, la voix out of the land of Egypt, du pays de l'Égypte. Ah, ça c'est merveilleux. This is wonderful. Vous savez lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, you know when they came out of the land of Egypt, s'étendre près de la mer Rouge. When they saw themselves on the Red Sea, the Bible says they sang, they glorified the Lord because of the deliverance that He had given them. Beloved, I insist. Today, sortir, c'est bien. To come out mais is okay, it's good, sortir, but the Lord is not bringing us out and just make us walk Dieu, around in the desert. No, the objective of God is to bring us écoutez out bien, and to bring us in somewhere. Pardon, il les a sauvés. He saved them, the Bible says, he saved them. He saved them from ensuite, the people out of the land of Egypt. Si ensuite périr, afterwards, destroyed those who did not believe. Beloved brothers and sisters, we notice that unbelief is the worst thing that can happen to a man. When a man is unbelief, does not believe the word of God, that unbelief will deprive him from all the promise that God made. God wants here in the time of grace biblique. That the true believer, the true biblical believer, being men who are holding God to His words, men who are believing God, men who are like Joshua and Caleb, men who are not shaking before the enemy, men who do not know fear, men who do not know fear, qui sont prêts à combattre, the men who are ready to fight and hold on to the faith. Les incrédules, the unbelievers, pourquoi sont morts dans le désert? Why did they die in the desert? Lorsqu'ils sont arrivés presque à la fin de leur course, almost at the end of the run, at the race. Et le pays de la promesse était là devant eux. The promised land was right before them. God spoke to them in a wonderful une way. Question de la foi. A sermon of faith. Dieu leur dit, God told them, allez, prenez le pays. Go and seize the land. There is the land I am giving you. Notice that the speech of God said, not the land that I will give you.
voici le pays now, que says, je vous donne. There is the ce land qui veut dire le pays you. Était déjà à eux. The land belonged to them already. Tout Dieu dit, so what Dieu, God says, say something, believe God. Don't look up to the circumstances. Alors, ne regardez pas les circonstances extérieures, mais saisissez ce que Dieu a dit. But just get a, Dieu get a hold of what God says. God quand cannot Dieu lie. A dit, when God il says, sait ce qu'il dit. Something, he knows quand Dieu what he une said. Parole, when God il say a toutes word, les possibilités he has de all réaliser. The possibility to mais make regardez, it come to pass. Dieu to make it happen. A dit, but notice, God said, take the land. Il ne leur a pas expliqué que he didn't explain vous allez to them, le fils you will see, you will meet the ce children of géants. Anak. Non, no, those non, people non. Are really Dieu, giants. God didn't tell them that. La taille des ennemis ne the height of the enemy doesn't matter before God. Ne compte pas the number of the enemy même doesn't matter before God. Even the type of weapons that the enemy are using doesn't matter before God. What counts before God is his word. So when God spoke, get a hold of that word. Entrer, prenez possession. Get in and take the land. Je le disais la fois passée. I was saying it last time. In Snellville. Vous avez la proposition d'envoyer des you know, the proposition to send cette proposition the spies. Au départ, at first, did not come from God. Une proposition qui venait it was du a peuple. Proposition that came from the people. We will read it. Lisons dans Deutéronome chapitre 1. Let's go to Deuteronomy chapter 1. Deutéronome chapitre 1. Let's go to Deuteronomy chapter 1. Dieu ne peut pas nous donner quelque beloved, chose de mauvais. God cannot give us Dieu something bad, nous donne something wrong. Est bon. Whatever God alors, gives us Dieu is dit, good. So when God says, it's a land where there is money, he doesn't need to non, give non, you any non. Proof. Ce qu'il a dit, what nous what he says is enough. For us. Mais le peuple, but the people, leur incrédulité, because of their unbelief, l'incrédulité se cache derrière beaucoup de choses. Notice that unbelief is hidden in many se things. Se cache derrière beaucoup de it's choses. Hidden behind many things. Deutéronome chapitre 1. Deuteronomy chapter 1. Ah, merci frère. Bon, commençons d'abord au verset frère. Let's start from je verse dis, 20. Vous êtes arrivé and I said à la, to you, à la montagne des Amoréens. You have come to the mountain of Amorites. Listen carefully. He said, at the mountain of the Amorites. Que le Seigneur notre Dieu nous donne. Which the Lord our God notre is giving Dieu us. Nous donne. Our God cela is giving est déjà us. À toi. This is already quand for Dieu you. A parlé de quelque chose, when God spoke la about something, t'appartient. That thing belong to you already. So he said in verse 21. Look. Le Seigneur ton Dieu the Lord your God. Devant toi. Pardon. Yes. Mets le pays devant toi. The Lord your God has set écoutez the land before monte. You. Monte. Go up. Prends possession. And possess it. Comme te l'a dit le Seigneur. As the Lord le Dieu de tes pères, God of your fathers. Alors, has spoken to you. Point, do not fear. Ne t'effraie point. Or be discouraged. Glory to the Lord. Dieu doit par la grâce de Dieu, par sa God grâce, has, en nous la through crainte. His God, through His grace, la crainte, c'est cast un away obstacle. Fear. La frayeur, fear is c'est an un obstacle. Obstacle. Fear is je an obstacle. Aujourd'hui à God la fin. Wants today at the end. I insist. God wants men and women who do not fear. Men and women who are ready to fight, knowing dans ce combat-là, that in that fight. C'est pas mon combat. It's not my fight. Il y en a déjà un qui but a combattu already pour moi. One who fought lui, for il me. A déjà vaincu. And he already came already. Moi, je me cache simplement derrière I'm only lui. Hiding behind non, him. Nous avons un beloved, commandant we have en chef a commander. Qui, a commander, connaît, qui n'a jamais connu de défaite. A commander in chief et qui ne who never lost. And will never lose. Si vous vous confiez en lui, if you trust vous in him, toujours victorieux. You will always be an overcomer. Le verset 22. Listen, verse 22. Il dit, vous vous approchez tous de moi. And every one of you dites, came near to me and said, vous dites, c'est eux le peuple. It's ils se sont people. Approchés de Moïse. Et they, vous dites, they came closer to Moses and said, envoyons des hommes devant nous. Let us send men before pour us. Explorer le pays. And let them search out the land for us. Et pour nous faire un rapport and bring us sur word le chemin to par us nous of the way which we should go up. Sur les villes
end of, and of the city in which we shall go. Beloved brothers and sisters, wasn't the pillar of fire with them? The pillar of fire was there, was with them. The pillar of fire had to show them the way. Believe, beloved brothers and sisters. But they say, let's send men to go search out the land. But that land, God told them already that that land is the land of honey and milk. When God says something, it's enough. Ça me suffit. It's enough for me. Quand nous cherchons des preuves pour croire, why are we looking for proof? Whenever we look for proof, this is unbelief. Unbelief. L'incrédulité se cache derrière de bonnes intentions. L'incrédulité se cache derrière de bonnes intentions, bien aimé frère et soeur. Mais Dieu veut maintenant à la fin. God wants here at the end. I'm insisting upon this. God wants men and women who can, he can, who can believe God by his word. God said, and I want God say, whether I see and do not see, whether I feel something and do not feel something, I should say that God is right. These are men and women with whom God will finish the work of redemption. Verse 23 says, je pense que vous, nous avons bien saisi. I believe we all understood. It's the people who came to Moses and said, oh, let's send men. Listen, verse 23. C'est ta vie. That plan, c'est please, ta vie. That plan, mes paris bons. Please well, please me well. Voyez, c'est un avis qui venait du peuple. That was the people's plan. The idea came from the people. J'ai pris 12. That plan pleased me well, so I took 12 of your men. C'était la vie qui venait du peuple. First, that idea came from the people. C'est le peuple qui l'avait suggéré. It's the people who came up with et that idea. Moïse a trouvé and Moses thought it was a good idea. Beloved brothers and sisters, when a man wants to walk in the will, Dieu lui accordera. In the, will, God, God will allow it, but it will not be for your own, for your own good. Ici, ça cachait déjà l'incrédulité. The unbelief was, hidden. They did not believe God in his words. So they hide themselves behind this idea. And the Bible said, that plan, or that idea plan pleased Moses well. So Moses chose 12 people, and he sent them. To go search out the land. But look, when they went into the promised land, dans ces pays, they got into that land. Revenus, when they came back, qui le peuple, there were 12 representing the people, and they got into the land. But coming back, ils ont amené des preuves. Ils ont amené le fruit de ces pays. They brought fruits coming from that land. Nombre chapitre 13. Let's take Numbers chapter 13. Allons dans Nombre chapitre 13. Let's go to Numbers chapter 13. Verse 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron. Now they departed and came back to Moses and Aaron. De Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. And all the congregation of Israel, Kadesh, the children of Israel, de in the wilderness of Paran. Ils leur firent un rapport. At Kadesh, they brought back words to them and to all the congregation. Et il leur montrait les and fruits du pays. Show them the fruit of the land. They showed them the fruit of the land. In other words, that land actually exists. In other words, God didn't lie. Dieu, tout ce qu'il dit, Dieu everything dit that God says is true. Alors, écoutez ce qu'ils vont so dire. Listen to what they say. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Verse 27. Nous then they told him dans le and pays said, où tu we nous went as to envoyé. The land where you sent us. À la vérité, it's truly, c'est un pays it's truly où flows le lait et le miel. Milk and honey. Et en voici le fruit. And this is the fruit. Donc, en d'autres termes, in other words, eux-mêmes le certifient. They brought, Dieu they certified that God doesn't lie. Dieu avait dit, même they si je n'ai pas vu, mais je God crois Dieu. Even if I didn't ce pays-là existait, bel et bien, actually exists. Et ils sont allés jusqu'à là-bas. So they went all ils the way to that land. De and they brought mais back the results, the fruits. Il dit, mais. Mais but listen, they say nevertheless, verse 28, nevertheless, the people who dwell in the land est puissant. Are strong. Les villes sont fortifiées. The cities are fortified.
Nous avons des enfants d'Anak. Moreover, we saw the descendants of Anak. Dieu nous Listen, God is wonderful. Nous expliquera pas toutes choses. God will not always Dieu explain everything to us. God will give us quand what is necessary dit, to us. Il dit tout when ce qui he est says, essentiel. He only says Dieu, what's necessary, what's essential. You believe God and you Même will see it come to pass. Chemin. Tu rencontres des circonstances, des choses que Dieu n'a pas dites. Circumstances toi, that God didn't un say. Croyant, you, toi, a believer, un croyant, I, a believer, reste-toi attaché à la promesse. Let's remain to the promise. Let's stay on Est-ce the que promise. Dieu ne savait pas qu'il y avait le fils d'Anak? Didn't God know that the children of Anak were there? He knew that. Was it necessary for him to tell them that? He found Parce that it wasn't necessary. Qu'il avait dit, je because what he said, I insist, it was enough. Whatever he said, le was enough. Croyant, le véritable the believer, croyant, the true believer, the children of Abraham do not look up to the circumstances, to the actual circumstances. The children of Abraham will rely upon the promise that God has given. Notice, il y en a deux qui se sont révélés who went, comme étant only two of them who stood up Josué as children of Abraham, Joshua and Caleb. Glory Josué to the Lord. Joshua and Caleb. Une fois, je l'avais déjà dit ici. I once said this here. Do you remember one time we brought forth the sermon called the spoken word, the original word, vers la fin at de the la end of the sermon? Le Saint-Esprit l'a conduit. The Holy Spirit, le Seigneur lui dit, the Holy Spirit led him. Prends ta plume. Et le Saint-Esprit l'a dicté des choses qu'il devait, the Holy Spirit devait told him something that he had to write. Et les lire he said, take your pen. Et parmi he had to choses, write it and si read it to the assembly. If the Lord allows it, I can read it. Among those things at the end, he spoke to him that at the end, the end of the grace, there will be believers like Joshua and Caleb. Joshua, Caleb, the leader, le véritable croyant. Caleb, the true believer. Et ce sont ceux-là and it's avec, those avec qui Dieu with, va with achever those l'œuvre de la people rédemption. That God will finish the work of redemption. Beloved brothers and sisters, the victory belongs to us. It's on our side. We have an overcomer. We have an overcomer. An overcomer with us. We have someone who cannot be overcome. Who is that person? It's our Lord Jesus Christ. We only need to place ourselves behind him. Notice, may God grant us grace. Que Dieu chasse en nous l'incrédulité. May God cast away unbelief in us. May God cast away doubts. Pour aller dans Notice, le pays de la promesse. To even go in the promised land, the Lord God assured the children of Israel. Regardez ce qu'il va leur dire. Listen to what he told them. Let's take Deuteronomy chapter 20. Nous allons revenir à un moment donné dans Nombres. We will come back to Numbers 13. But let's take Deuteronomy chapter 20. What does he say? In Deuteronomy chapter 20, verse 1. Il dit lorsque tu iras à la guerre, he said, when you go out to war, to battle against your enemies, et que tu verras, and you see des chevaux, horses, et des chars, and chariots, et un peuple plus nombreux que toi, and people more numerous than you. What does the Lord say? Tu ne le craindras point. Do not fear them. Pourquoi Why? Nous ne devons pas avoir peur? Why shouldn't we be afraid? He says, for ton Dieu, the Lord your God, this le is wonderful, ton the Lord your God, t'a fait monter who brought you up d'Egypte from the land of Egypt, est avec toi. Is with you. Amen. C'est-à-dire, celui qui t'a sauvé, the one who saved il you, est avec toi. He is with you. Alors, quand tu iras à la guerre, so when you go to battle, l'ennemi, when you see même the enemy, sa force, even if it is strong, ne crains point. Do not fear. Pourquoi? Le Seigneur est avec toi. The Lord is with you. Ce mot-là, Lord, je that suis word, avec toi, I am with you. This word, suffit. I am with you, is enough. Regardez que à tous ceux à Notice, qui Dieu a prononcé ce mot-là, the Lord ils ont, said ils ont, words ils ont remporté des victoires. All those people, ah, they had le victories. Seigneur a dit à Abraham, the Lord je said to Abraham, avec toi. I am with you. Il avait dit à Isaac, je Isaac, suis avec toi. I am with you. Il avait dit à Moïse, je suis avec toi. Vous savez que Moïse craignait to Moses, de retourner said, en Égypte. You know, Moses was afraid to return to Egypt. Parce que Moïse connaissait bien.
because Moses knew who was the great Pharaoh. But the Lord said to him, do not fear. Go, return to Egypt. I will be with you. Beloved brothers and sisters, when the Lord is with us, la mer rouge, the Red Sea has to. Quand le Seigneur est avec nous, to, la maladie va s'enfuir. When the Lord quand is le Seigneur you, est avec nous, with us, même la mort, has to get away. Even death will run off. We get out. Il suffit que le Seigneur, que tu sois sûr. Je ne marche pas seul. You should only know celui that qui m'a sauvé, you are not walking celui alone. Qui m'a délivré, the one who set you free, the one who set me free, is with me. Avait donné à Israël cette so garantie. The Lord allons gave chapitre 31, to Israel the guarantee. Deutéronome chapitre 31. Let's go to Deuteronomy 31. Deuteronomy chapitre 31. Deuteronomy chapter 31. Il dit au verset, prenons le verset. Le verset premier. Let's take verse Moïse one. Adressa encore verse ses paroles Moses à tout Israël. Went out and spoke these words to all Israel, and he said to them, je suis âgé de 120 ans. I am 120 years old today. Sortir et entrer. I can no longer go out and come in. Tu ne passeras pas ce Jourdain. And the Lord has said to me, you shall not cross over the Jordan. The Lord your God himself marchera lui-même. The Lord your God himself crosses over before you. What will you do? He will destroy these nations from before you. Maître. And you shall possess them. Amen. Amen. Et Josué marchera aussi devant toi comme Joshua le Seigneur t'a dit. Joshua himself crosses over before donc, you, just as the Lord said. À Israël, so the Lord said to Israel. Il annonce dans Exode 23. In Exodus 23. Chapitre 23. Let's go to Exodus chapter 23. Exode chapitre 23. Exodus chapter 23. Ici, avant même d'arriver à Kadesh et Barnea. Here before they can reach Kadesh and Paran. Voici, said, j'envoie un ange devant toi. Behold, I send an angel before you to protect you. Mais en plus, écoutez bien. Verse 23. For my angel will go before you and bring you. Bring you au lieu que j'ai préparé. In the land I prepared. Mes frères et sœurs. Which this tous means, les obstacles sur ton chemin sera balayé. All the obstacles before you will be moved. La question est celle-ci, mais pourquoi le peuple d'Israël? Why did the people of Israel? Why were they afraid of the king of Anak? Why, as believers, why are we afraid? Il nous garantit une victoire. A victory, a guarantee. Il dit, tiens-toi sur tes gardes, it is stand en sa présence. Stand. Écoute sa voix. And listen ne, to lui, voice. Ne lui résiste point. Do not resist. Sois simplement obéissant. Just be obedient. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, for car he will mon not forgive nom sin. Est en lui. Mon nom. Name. Ça c'est de l'Ancien Testament. Mais nous savons dans le Nouveau Testament, le nom Testament. Est placé en Jésus-Christ. His name is placed in Jesus. Prenons le verset 23. Let's take verse 23. Mon ange, for my angel, marchera devant toi. My angel will go before you. Mon ange, my angel, te conduira chez Amoréens. We bring you into the Amorites, the Hittites, chez les Phéréziens, the Perizzites, les Cananéens, the Canaanites, chez les Éviens, the Hivites, and the Jebusites. Listen, ce n'est pas toi. It's not you. Lisons, je pense que nous lisons tous. I believe we are all reading. Bien, mon ange marchera. Cet ange-là, c'est le Seigneur lui-même. It's the Lord himself. Sous forme d'un ange. In the form of an angel. Lui-même, il marche devant he son himself peuple. Is walking before his people. Lui-même, il marche glory devant son peuple. He himself mais regardez ce qu'il a garanti. Now listen to what he says. Je les exterminerai. I will cut them off. Les ennemis qui se présenteront devant vous, the enemy that will moi-même, present Dieu, themselves je les before you, I myself will il cut them off. Verse 24. Tu te prosterneras point devant leur Dieu. You shall not bow down. Tu ne serviras point. To their God, nor tu serve them. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Nor do according to their words. Tu briseras leurs statues. You shall utterly overthrow them.
and completely break their sacred pillars down. Écoutez le verset 28. Listen, verse 28. Non, écoutez le verset 27, il dit, j'enverrai ma terreur devant toi. I will send my fear je before you. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Pourquoi l'incrédulité? You have a brother and sister. Why were I be, where were their unbelief? De victoire. These are words of, of victory. De parole word of, of assurance. J'enverrai ma terreur devant toi. I will send my fear before you. I will cause confusion among all the people. Chez lequel tu arriverais. You come. Il dit, je ferai tourner le dos devant toi your enemy à turn tous the back tes to you. Ennemis. Ah. Donc toi tu iras au combat jamais so tu you will go to fight non. You will never fight mais you will not run away from combat, the enemy but tu when you go fight victoire. You already have victory pourquoi why ton Dieu marche devant toi your God walks before you voilà bien mes frères et sœurs malgré toutes ces garanties données aux enfants d'Israël despite all these guarantees they came out for eggs, they received the law. God gave them this guarantee. Remarquez, je continue. Je ne le chasserai pas. Il ne dit pas que c'est toi. Non. Ce n'est pas toi. It's not vous, vous allez simplement combattre, oui. You mais just fight. Ce combat-là, c'est mon combat. That fight is my fight. Moi-même, je combattrai pour I vous. Je ne le chasserai pas for you. En une seule année. I will not cast de them out one time. Before you, je prends le verset 20, il dit, je les chasserai peu à peu loin de ta face. I will cast them little by little. Je lui-même dit, moi-même, now, je le ferai. I will voilà do pourquoi, it. Lorsque le peuple sont arrivés devant le fils that's d'Anak, what the people got came before ils ont vu the, la grandeur the son of Anak. De la they taille du fils d'Anak. The height of the son of the Anak. But coming back to Moses, ont tenu une prédication pour décourager le peuple. They held the speech that discouraged the Dieu people. A dit, God said, ils m'ont méprisé. They despised me. Écoutez bien, ils listen m'ont carefully. Méprisé. They despised me. Soyez très attentifs. Be pas simplement close attention. Ceux qui prêchent not, des choses qui découragent, not mais only aussi those ceux who are qui preaching ces choses-là, are preaching, Dieu a also dit those who ils n'entreront pas. God said they will not get le in. Seigneur Dieu a pris soin, the Lord took care d'exterminer dans exterminate, le désert to exterminate tous les incrédules, all the unbelief, les incrédules. All the unbelievers. Pourquoi? Why? Parce que because at the end, ça c'est merveilleux. This is wonderful. At the end, l'œuvre finale, the final work, pas avec les God will not do it with the Dieu unbelievers. God will not accomplish it qui with the true believers. Alors, who are they? Who are these people? Esaïe let's go to Isaiah chapter 10. Regardez ces croyants avec qui Dieu va look, achever l'œuvre de la rédemption. Believers with whom God will finish the work of redemption with. Verset 20. Verse 20. Il dit en ces jours-là. He said in those days. En ces jours-là. In those days. Le reste d'Israël. He shall come to pass in that day. That the remnant of Israel. Écoutez and, bien. Cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Will never again depend on him who defeated où? Them. The ils one who they put their trust. They will avec depend. They will sur depend le Seigneur, on the Lord, le Saint d'Israël, the Holy One of Israel. In truth, des hommes qui vont s'appuyer men totalement. Who will depend totally. Ils ne regardent plus l'extérieur. They will not look up the, out, no. the outside. Ils ne regardent plus les obstacles. They are now no longer looking mais up the obstacles. But they trust. Ils croient que Dieu est capable and believe that God is able to finish de the work la promesse qu'il leur a donnée. To accomplish the promise. Allons à Michel, given Michel chapitre 7. Let's go to Micah. Micah chapter 7. Pour voir ceux avec qui Dieu va achever l'œuvre de la rédemption. To see with whom God will finish the work of Michel redemption with. Micah chapter 7. Non, plutôt Michée chapitre 4. Instead, let's go to Micah chapter 4. Micah chapter 4. Regardez ce qui est écrit au verset 5.
Listen, look at verse 5. Il dit tandis que tout le peuple marche. For all people walk. Tout le peuple marche. All people walk. Au nom de son Dieu. In the name of his God. Mais nous les élus, alléluia. Nous marchons au nom de l'Éternel, notre Dieu. In the name of the Lord our God. Mais c'est ça, c'est que David avait dit devant Goliath. This is what David said to Goliath. Lorsque David était devant le when gros David géant Goliath, was standing before David the great dit, giant, toi, tu David viens said, à moi, you come to me de ton Dieu, in the name of your God. Aussi, but I come je viens à toi, to you in the name of the Lord, the God of Israel. Beloved, we depend on the Lord. But we also depend on the name of the Lord Jesus. Certain, and be sure and certain that victory belongs to us. That is why, beloved brothers and sisters, we insist by the grace of God, we have to believe God. Let's not look up the à la croix de Golgotha, notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné the cross of Golgotha, la garantie the Lord Jesus de notre victoire. Pourquoi c'est là? Colossiens chapitre 2. Let's go to Colossians chapter 2. Let's go to Colossians chapter 2. Verset 9 nous dit. Verse 9 car says, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. All the fullness of the Godhead. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Fullness vous of the Godhead. Vous avez tout pleinement en lui. And you have everything in him. Que nous aurons, not that nous we will have, but we already have tout it. Tout ce que Dieu nous a donné en everything Jésus-Christ that God est has given toi. Us in Jesus Christ Prenez-les. Is for you. Take it. La victoire est à toi. Victory is for you. Salvation is for you. La guérison est à toi. Is for you. Beloved, c'est merveilleux. We have. Il dit, it's wonderful. Vous avez said, tout you pleinement have everything en fully lui. In him. Qui est le chef de toute domination who is et de toute autorité. The head of all dominion and authority. Le verset 13 nous dit. Verse 13 says. Vous qui étiez morts par vos offenses. And you being dead in your trespasses. And par l'incirconcision de tout de votre chair. And the uncircumcision of your flesh. Il vous a rendu à la vie. Has made avec life lui. Together en nous with him. Grâce having given pour you toutes all nos offenses. Giving, forgiving all your trespasses. Il a effacé. Verse 14. La, dont les ordonnances having nous wiped out et the handwriting of requirements nous. That was against us, il a éliminé à la croix, which was contrary to us, and it has taken out diable, the way, ne craignez pas la maladie, ne craignez pas la mort, do parce que Christ, notre Seigneur, il a tout death, vaincu. Do not fear sickness, for a Jesus has overcome all. Verse 15, having disarmed the principalities and power, les a livrés and has made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Beloved, quand tu es malade, when you are sick, regarde la croix. Look up to the cross. Tu es dans les difficultés, when you are in difficulties, look up to the cross. This is wonderful. The victory that gives us peace, the victory that assures us of everything, was given to us at the cross. We will end with an example. Look in the old, already in the Old Testament, the victory that we have at the cross of Jesus Christ was already presented to us. The people just came out from Egypt sous la conduite under the guidance of the God Almighty. Just as soon as they came out, they meet Amalek. Va combattre le peuple d'Israël. The Amalek people go to fight the people of Israel to stop them from going. Look at what's wonderful. Let's take Exodus chapter 17. Verse 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Amalek came and fought Israel at Rephidim. Here, Israël, le peuple racheté par l'Éternel. Here it's Israel, the redeemed people. Il y a un ennemi qui vient pour le combattre pour barrer la route. Coming to fight them. Alors Moïse dit à Josué. So Moses said to Joshua, choisis-nous les hommes. Voyez.
Choisis-nous les hommes. And Moses said to Joshua, nous sommes en train de livrer la bataille, la plus grande bataille jamais livrée. We are fighting the greatest fights that never end. Dieu n'emploiera pas n'importe qui. God will not just call anyone. Dieu doit utiliser des vrais soldats. God has to use soldats qui sont bien entraînés dans le combat. Des soldats, well-trained soldiers. Qui n'ont pas confiance. Soldiers who do not trust in themselves, the soldiers who trust in the general who has themselves. Our Lord is a general with five stars. Listen here, beloved brother and sister. The victory was already presented. I repeat, the Old Testament is only a shadow of things to come. So Amalek came to fight him. So Moses said to Joshua. Joshua was the general. It's him who will make the plan, who will have the plan to go fight, to make the plan. You and I, we also have a Joshua. Our Joshua is Jesus Christ resurrected. Listen, beloved brothers and sisters. It's him who made the plan. The plan of tous how to fight. Les hommes devaient obéir à Josué. Every man Josué had to général. Obey Joshua. Joshua the general. Alors il a choisi des hommes. So he chose men. He selected men. And said, go and fight Amalek. Amalek. Go and fight Amalek. Demain. Tomorrow. Je me tiendrai sur le sommet de la colline. At the mountains. Je me tiendrai sur le sommet de la colline. Écoutez mountain. Bien, la verge de Dieu dans ma main. The staff of God in my hand. La verge là représente that déjà la victoire. Represented vous, victory. Vous rappelez, do you remember? Moïse a jeté la verge Moses threw that staff before those people in Egypt. Jonas and Jambres, they also threw the staff down. The staff of Moses transformed into a snake. Their staff also turned into a snake. Transformed into a snake. Immediately, the snake, the staff of Moses that turned into a snake and swallowed all those other snakes that was around. In a way that all the power of the magician will find itself in one staff, which was the staff of Moses. When Moses took back the snake, the snake transformed back to the staff, meaning the victory before the enemy was into Moses' hand. Who was Moses? It's our Lord Jesus Christ. Listen to what the Bible says. Verse 10. Josué fit ce que fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Did as Moses said to him to fight, rappelle, to fight with Amalek. J'attire votre attention. Moïse a dit, your attention. Je me tiendrai sur le sommet de la colline. On top of the of the hill of the mountain. Mais quelle est cette colline? But what c'est is the hill? Golgotha. It's Mount Golgotha. C'est à Golgotha. It's on Golgotha. Where our Moses was. Listen, my beloved brother, verse 11. When Moses, so it was when Moses held up his hand, Israel était le that Israel prevailed. Lorsque Moïse levait sa main, when Moses Israël held était up le plus fort. His hand, Israel prevailed. Are you with me? Voyez que la victoire ne dépend pas de toi. You see that la victory does not depend on you. De la position victory de main de depends Moïse. On the position of the hand of Moses. Si Moïse a la main levée, Moses' Israël hands were up, Israel prevailed. Mais quand Moïse était un homme, but Moses à un moment donné, was Moïse a man. Est fatigué. At one time, quand Moses la main de Moïse baissait, tired. When Israël the Moïse, était when the hand avec. Of Moses, oh Israel là. Was over, was was gain, was je overcame. Sais bien, la victoire do you understand de la position that de notre Moïse. Depends la position on the de position de notre of our Moses. Quand le main the victory depends levé, on the hands of our Moses. Nous avons la victoire. When the hand were up, we mais have victory. Quand le main but baisse, when the hand will go got down, we lose. They had to have il a solution. Il fallait qu'il y ait une solution. Mais c'est merveilleux. But le they had to have a solution. Verse 12. La main de Moïse était but fatigué. Moses' hand became heavy. Il était un homme. He was le a man. Main de Moïse était the fatigué. The hands of Moses were heavy. Alors qu'est-ce qu'ils ont pris? So ils what did they do? Une pierre. They took placèrent a sur stone lui. And put it under him.
Et Moïse, il s'assit dessus. And Moses sat on it. Alors, le peuple, ils ont dit non, non, so non. The people non. Said, nous no. voulons une victoire We want a total victory. Nous n'avons pas besoin de petites victoires. We don't là. Want those little et, victories. Et, un moment donné, nous avons la victoire, we'll victory. Nous sommes vaincus. And non. then after that, nous they are overcoming us. No. Totale. We want a total, alors, a total victory. Totale, so in order for us to have a total victory, faire, something had to be done. Le deux mains de Moïse. Both of Moses' arms were to had to be held up. Alors. So Aaron and Ur and Ur came both of them, he said, for this fight, les ennemis, he said, to overcome the enemy, all our enemies has to be destroyed. Solution, so, and the only solution was to hold Moses' hand up. Beloved, I am attracting your hands. Pour que nous ayons la victoire, the hands of our Moses, in order for us to have victory, glory to the Lord. God allowed Seigneur, that our Lord Jesus Christ be crucified at the cross of Golgotha, so that our hands were crucified moi, at the cross of Golgotha. You and I have victory. Voilà la Bible dit, that is what the Bible Moïse says. Fatigué, the hands of Moses were getting heavy. They took a stone and they placed it under him. And he said, Aaron and Ur will come and hold up his hands. D'un côté, one on one side, l'autre de l'autre côté. And the other on the other mais side. Bien Golgotha. We see Golgotha here. Écoutez bien, notice, le main de Moïse, the hands of Moses, the hands of Moses, where we remain firm, we remain up high until the sun will go down, until the sun sets. Jusqu'à ce que le jour se termine. Until the day ends. Nous sommes arrivés à quel temps? At what time are we on? We are at the end of the time of grace. Dieu travaille. That God, la lumière est là, Dieu God is working as the light is here. Beloved, the soon the time of grace will end. Mais we will get into the time of judgment. Dit, before that time comes, he says, I will send you Elijah the prophet. Notice that our victory is assured du premier âge from the first age jusqu'au septième âge. To the seventh age. Depuis le soleil levant, from the sun rise to the sun set. This is wonderful. When our Lord Jesus Christ came, the sun rose. But we are living at the end of the time of grace. Very soon, the sun, what should I say? In other words, very soon, the time of grace will end. And we will get into a different day. But before that day, Jesus assured you and I that the victory is at Golgotha. Where your Lord was crucified, frère, ma soeur, my brother, my sister, where you are. Qu'importe tes soucis. No matter your sorrows, no matter your difficulties. Aujourd'hui, today, prends simplement conscience. Just understand that there was one who died at Golgotha. C'est vrai, bien, mes frères. It's true, beloved brothers il and sisters. Était crucifié. He was crucified. He was crucified. Ses mains ont été His hands étendues. Were held up high. Moïse. Just like Moses, his hands were le held up high. The hands of our Lord Jesus Christ was held up high at the cross of Golgotha. Nous avons la vie. And through this, Parce we have life. La victoire. Through this, we have Alleluia. Victory. Victory. Beloved brothers and sisters, what is that problem that you have? What is that problem that you have that your Lord cannot resolve? Amen. The Bible says, in their difficulties, they call upon the Lord, and the Lord sent them His words, and His word healed them, and His word, as we heard, the victory of Golgotha is yours. He didn't just overcome Golgotha, but He also overcame here in this room. We have Jesus Christ. The victory, the overcomer of Golgotha is with us. We see victory. Beloved brothers and sisters, let's sing our freedom. We are free. We are overcomers. Christ is with us. May the Lord bless you all. Amen. Nous allons chanter le 166. We will sing 166. Avec foi. With faith.
Thank you.
Voilà le moment de prendre ce que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur. This is the moment to get a hold of what the Holy Spirit has put in your heart. After this blessed word, to present them to the Lord. Ne retourne pas à moi. It said the word cannot come back sans to me avoir without exécuter ma volonté, accomplishing my will, accomplir ma volonté, accomplish my will and accomplish my plan. Il a été envoyé par le Seigneur pour nous montrer by the Lord to show us that qu'il est avec nous, he is with us, qu'il a déjà combattu, that he already fought and he overcame, et que nous avons besoin de le faire confiance. We simply need to trust et là, il est sorti pour nous montrer aussi, and he also came out to show que us le that salut est gratuit, salvation is free. Aujourd'hui and there de is a possibility to be born again and to accept him, him the seed of life and to be born again. Do not fear whatever that is that can present itself before you, whatever it is that can stand before you right now. Do not fear, but trust in him. He lifted up his hands in Golgotha and his hands were nailed and those hands never went down. So he cried out, everything is accomplished. So we will lift our voices and pray. And let's get a hold of faith. The deliverance. We get a hold of the reconciliation, of the of forgiveness, of the healing, of everything. For he was said, we have everything fully in him. Let us all pray. Glorious Seigneur, je te loue. De ce que Seigneur, oh, tu as tout accompli. Par Jésus-Christ, Seigneur, tu mérites ma confiance. Mérite la confiance de mon frère, de ma foi. Oh, je veux tout ça. Par la foi. Par la foi. La foi que tu nous as donnée.
Devant la victoire assurée, nous n'avons pas le droit. Before the victory that has been assured, we do not need any proof. We do not de pouvoir nourrir l'incrédulité. We do not have the right to feed unbelief. Devons prier le Seigneur, viens we au have secours to pray de mon Lord and say, Lord, come to the help of my unbelief. Nous allons prier. We will pray. Nous allons nous souvenir de notre sœur. We will remember aimer la grande our sœur, sister, notre frère Serge, aimer the older sister of our brother Serge, qui est interné au moment où nous parlons à l'hôpital, who is in the hospital as we speak, avec quelque chose with something qui lui fait très mal au bas-ventre, that's hurting her au niveau her, des ovaires. Ça aussi, Christ a vaincu. In her womb. They are also got Christ overcame that. Tout ce qui est contraire à la vie que Dieu a donnée, everything that is contrary to the victory that Christ God has given, that thing is a demon, and we cast it away in the name of Jesus, and we get a hold of the healing. The Lord said, do not fear. Do not fear the shadow. Do not fear what people can say as it's worse. Him at Golgotha, he disarmed the denomination and authority and set them up a spectacle and triumphing them at the cross. By faith, nous croyons, we believe et nous proclamons la victoire. And we proclaim the victory. Prions Dieu. Let us all pray. Nous venons au trône de la grâce. Grand Dieu miséricordieux tout puissant avec notre Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Alléluia.